C'est une journée qui invite à venir découvrir la ville de Terrasson. Tout à fait. Bonjour, monsieur Rassin. Oui, c'est une belle initiative qui est le porteur de projet, c'est l'Office de tourisme, en partenariat avec l'atelier des créateurs, ou la galerie des créateurs plutôt, et bien sûr en partenariat aussi avec la mairie de Terrasson. Alors j'espère que ça se poursuivra dans le temps et que ça va être un franc succès. C'est un clin d'œil aux échoppes de la ville ancienne. Tout à fait, les échoppes sont particulièrement concernées. Comme nous avons plusieurs artisans d'art maintenant dans notre vieille ville de Terrasson, j'espère que ça va donner un coup de pouce à cette création. Et voilà, nous espérons qu'il y aura beaucoup de retombées pour les artisans du vieux Terrasson et que ça pourra provoquer la venue de nouveaux intervenants dans ce domaine. Ça pourrait peut-être séduire un artisan de venir s'installer dans une échoppe. Bien sûr, c'est ce que nous espérons. Nous en aurons d'autres à mettre à disposition de tous ceux qui voudront bien venir dans notre bonne ville de Terrasson, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous les accueillerons, bien sûr. Alors, Salon des métiers d'art, dimanche 20 juin à Terrasson, c'est l'occasion aussi de venir visiter la ville ancienne, les jardins de l'imaginaire. C'est le lancement de la saison estivale, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à Terrasson. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire le feu d'artifice encore cette année, puisque les conditions sont très difficiles. On ne pourrait pas gérer l'afflux de personnes qu'il y a en respectant les mesures sanitaires qui sont préconisées, bien sûr. Mais il y aura beaucoup d'animation tout au long de l'été. J'espère qu'il fera beau dimanche déjà, qu'il y aura beaucoup de monde à Terrasson. Bon, c'est un jour d'élection. J'espère qu'il y aura du monde, comme je vous le disais, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que les gens profiteront pour visiter notre ville, que ce soit le vieux Terrasson ou les autres quartiers de la ville. C'est une journée qui va faire du bien après cette période de confinement difficile pour tout le monde. Oui, tout à fait. Les gens vont sortir, j'espère, et puis on commence à respirer un petit peu mieux. Il faut quand même rester toujours prudent parce qu'on voit que ça et là, il y a des petites réminiscences de cette pandémie. Donc il faut faire toujours très attention, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et que dans quelques semaines, nous pourrons enfin vraiment respirer. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. C'est tout le premier, donc ça veut peut-être dire qu'il y en aura d'autres. Ah oui, tout à fait. Alors effectivement, on est très fiers hein, d'avoir travaillé jusque-là à cette première édition. Donc effectivement, c'est une première édition, donc on espère bien en faire d'autres, si toutefois tout se passe bien. Alors le premier, vous tapez fort, avec 40 exposants. Oui. Près de 42 exposants, on a encore un petit peu élargi. Après, ce sont tous des artisans d'art, effectivement locaux de Dordogne, Corrèze, Lot. Artisans d'art veut dire peut-être sélectionnés ? Oui, tout à fait. Alors on a travaillé à partir de la nomenclature de l'Institut National des Métiers d'Art. Et donc on a sélectionné uniquement des artisans d'art qui rentrent dans cette nomenclature. Chemin faisant, ça nous a donné l'idée de travailler à un autre projet, mais ça on en parlera après, parce qu'effectivement on a eu beaucoup de demandes diverses, notamment du côté des créateurs. Est-ce que c'est dans ces métiers d'art il y a des belles choses à voir ? Alors, il n'y a que de belles choses à voir. Vous savez, les artisans d'art sont de grands passionnés qui donnent beaucoup d'amour à leurs œuvres et à leur travail. Donc, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une offre qui est assez éclectique, hein, parce qu'on va trouver des gens qui travaillent le bois, le fer, la pierre. Donc, on retrouve un certain nombre d'éléments comme ceci. Donc, on va avoir des verriers, des sculpteurs sur bois. On a un horloger qui fabrique des mécanismes en bois. Enfin bon, il y a des choses assez... Il y a un staffeur ornementiste. Personnellement, je ne savais même pas ce que c'était. Voilà. Donc il y a vraiment des choses, l'éventail est assez large. Est-ce que l'on pourra voir aussi, est-ce que l'on pourra découvrir leur savoir-faire sur place? Certains, est-ce qu'ils vont travailler devant les visiteurs? Oui, la plupart ont prévu de montrer en tout cas comment ils travaillent sur place, notamment les sculpteurs sur bois, tourneurs sur bois, etc. Mais la plupart ont prévu en tout cas de montrer comment ils travaillent. Est-ce que ce salon des métiers d'art se veut comme une porte d'entrée sur la ville de Terrasson? Oui, alors c'est effectivement pensé comme cela, c'est un élément d'attractivité complémentaire à Terrasson et il vient en continuité, dans la continuité du travail qui est réalisé depuis des années par la commune
pour placer des artisans d'art dans la ville ancienne. Une invitation à découvrir la ville ancienne, les jardins, le bateau de promenade sur l'eau derrière nous. Oui, tout à fait. C'est un produit touristique. Hein. On n'oublie pas notre mission première. Et effectivement, l'idée, c'est de présenter Terrasson avec les métiers d'art et surtout nos supports de communication. On a présenté également les jardins d'imaginaire, la gabarre, la ville ancienne. Enfin voilà, tout le plaisir qu'on peut avoir à passer du temps ici au bord du bassin de la Vézère.